Bonjour, bonjour. Nous espérons que vous allez bien en ce lundi matin de rentrée, n'est-ce pas? François, comment vas-tu? Impeccable. On est très content de vous retrouver Le lundi aujourd'hui. matin de rentrée, n'est-ce pas? Donc, on espère que vous êtes motivés pour attaquer les séances en visio. En direct. Hop. La technique, François. Et donc, si vous êtes motivés, ben écoutez, on va attaquer l'échauffement pour la cardio. Donc, comme d'habitude, je regarderai vos petits commentaires entre les séries. Comme ça, on ne coupe pas la musique. Donc, hop. C'est parti. On s'échauffe. Qu'est-ce qu'il me fait? Le cou. Sens. Et dans l'autre. On relâche les épaules. Vous avez vu, François, c'est la rentrée. Ah, c'est normal. À chaque fois, si elle ne va pas, c'est pas normal. On le sait. Et oui. L'autre sens. On passe à se mettre au bord de la chaise et on relâche les poignets. Ok, on relâche le bassin. On va faire des ronds. Ah, et comme on ne change rien, c'est ça, Rousseau. Comme on ne change rien, la chaise qui reste est toujours sous moi, à l'autre sens. C'est dingue. C'est le petit déjeuner. On relâche sur les côtés. Le tronc ne doit pas bouger, évidemment. Et bien décidément, on va y arriver. Hop là, on est là. Hop là. Ok, les chevilles dans un sens. Dans l'autre. Depuis que tu arrives, depuis le début, je me concentre pour ne pas le dire. Et la cheville dans un sens. Donc soit sur la pointe, soit sur le talon. Et dans l'autre. Je me concentre jusqu'ici. Ok, on va faire l'échauffement dynamique. Bien sûr. J'entends donc quoi, c'est pas normal, on parle pas donc. Je vais se passer. Ok, l'échauffement dynamique, je me rappelle. Donc, on monte la tête, on descend. Deuxième fois, à droite, à gauche. On remonte les épaules, les baisses. Deux fois, le bassin vers l'avant. Deux fois, tac, tac. Un, on tend. Et on reprend la tête. 1, 3,
ramener, ramener, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et là, on va aller vers l'arrière. Ramener, c'est OK. Ramener, ouvrir, fermer, ouvrir, je sais pas ce que je vais fermer, dire. Et là, excusez-moi, on va aller vers l'arrière. Ne bougez pas. Je crois que tu es connecté. Moi, je vais pas en c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'on se parle là. Tu sais les changements. Et salut Stéphanie. Hop. C'est bon. Et on est reparti. François. On est parti. Yeah.
propose. Muy lento. Ok, il en reste une. Après. C'est la dernière solennelle. Elle n'a pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'hésitez pas à faire vos retours sur le Balance ton live. Nous regarderons vos commentaires. Donc, il nous reste une série. J'ai trouvé. C'est super. Il nous reste une série de bas et haut en même temps. Allez, c'est parti. Donc, le premier, on va lever en haut. Tac, 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 tac. Le second. C'est la moitié du ravi. On fait le ravi. Tac, 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 tac. Si vous avez besoin de reculer un peu sur crochet, ça. Et le troisième, on va faire. Thank you.
Ensuite, donc en même temps qu'on va boxer, on va travailler les mollets, d'accord? Donc 1, 2, 3, d'accord? Montez sur votre pointe. Yes! Bien, cœur et cœur. Ensuite, je tends, je plie, je tends, je plie. Et ensuite, on va faire des battements. Donc, tac, je glisse, je glisse. Tac, 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 tac. Je récapitule. On fait la boxe avec les pointes. Les pointes. Je tends, je plie, devant. Et battement. Devant également. C'est parti, mon cacaï. On boxe. Un peu, mais c'est bien. Ah oui, oui. Je confie à Françoise. Nous n'avons pas de commentaires. Je vois tout ce que on se croirait dans rien, tellement il fait humide. Ouais, mais il fait surtout très chaud. Est-ce que tu vois ma tête qui est en train de se lipider? Il fait surtout très chaud. Bonjour, Jurek Monique. Donc, si vous êtes OK, donc pas plus de commentaires, nous allons prendre la même musique qu'on vient d'écouter, 2 minutes 36 pour faire notre première chorégraphie qui seront au nombre de 2 ou 3. On verra, c'est plus 3 que 2. Mais nous verrons. Donc pour cette première, nous allons faire un petit peu un exercice similaire à ce qu'on faisait tout à l'heure. Sauf qu'au lieu de passer en haut, on va passer en haut. Donc je monte et ça fait tirer ma jambe. C'est un peu Pinocchio. You know Pinocchio, François? Donc, tac, 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 tac. Ok? Ça, c'est le premier. Le deuxième, on va mouliner à droite en ouvrant la jambe droite et mouliner à gauche en ouvrant la jambe gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fois 2, je vous rappelle. On fait 2 fois 8 de chaque mouvement. Donc, premier, tac, tac, tac. Deuxième, tac, 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 tac. Et le troisième, le troisième, le troisième, le troisième, le troisième, on va pousser vers l'avant. Donc, je pousse, je ramène, je pousse, je ramène. Oh, 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 je gère la Françoise. Il n'y avait pas 4 mouvements. Peut-être bien que si, hein. Peut-être bien que si, Françoise. Je n'arrive plus à me rappeler si c'était 3 ou 4. Bon, on va en faire un 4.
Nous rappelons déjà dès le début. En haut, en haut, en haut, en haut. Le deuxième, on a dit mouliner, 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 mouliner. Le troisième, on pousse devant. Et le quatrième, on va ouvrir comme on faisait tout à l'heure. Tac, on va faire un côté, puis l'autre, un côté, puis l'autre. OK? OK. Nous allons voir si la cervelle veut bien fonctionner aujourd'hui. Donc, tac, 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 mouliner, 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 mouliner. Ensuite, on pousse et ensuite, on ouvre. Je pense qu'on est sur une bonne lancée, Françoise. Je pense aussi. Tu penses aussi? Alors, c'est parti. Allez, on mange. Attention, 5, 6, 7, et on tire en haut. 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mouline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mouline. Regardez si on n'a toujours pas des petits messages. Nous ne savons pas. Ah, c'est un bug du téléphone maintenant. Ah non, pas ça. Pas ça. Donc, on va passer à la seconde. Si vous le voulez bien. J'espère qu'on n'a pas été coupé. Parce que je n'arrive plus à nous voir. Excusez-moi, non, on n'a pas été coupé, c'est mon téléphone qui ne veut pas fonctionner. Bon, écoutez, nous regarderons vos commentaires juste après la séance. Donc, pour le prochain, nous allons faire, on va attraper sur les côtés et en même temps, on envoie la jambe de l'autre. Tac, on ramène, tac, on ramène. Ok, le moulinet, tout à l'heure, on l'a fait à droite, à gauche. Et là, la petite sup. On va aller en haut, on va aller en bas, on va aller en haut et on va aller en bas. Donc on fait la croix. Donc premier, tac, tac, tac. Second, tac, tac, tac. Troisième, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et quatrième, on va pousser sur le côté deux fois
pousser sur le côté deux fois. D'accord. D'accord. Donc, quand on va sur le côté, on pense à bien gainer, d'accord ? Puisque ce sont les abdos qui nous ramènent, ce n'est pas le dos, d'accord ? C'est vraiment les abdos qui font ressort. Tac, 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 tac. Oui. Donc, on refait. Oui. Ah, Pipo est d'accord. Pipo est d'accord, sachez. Hein. Donc, on va sur le côté. Donc, ça, c'est le premier. Le moulinet en croix. Tac, 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 tac. Le troisième. On écarte, on ramène, on écarte, on ramène. Et le quatrième, pourquoi ça bug toujours là? Je ne comprends pas. C'est quoi le quatrième qu'on a dit, Françoise? Je ne sais plus. C'est vraiment gênant hein, ce moment quand même. Je n'en ai marre de moi. Tu en avais dit quatre? Ah oui, oui. Tac, 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 tac. Et oui! Pousse de côté, tac, 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 tac. Ah, c'est fatigant. Je n'en peux plus de cette mémoire. Pourtant, on la travaille, Françoise, on est d'accord. On fait des mots fléchés pour ça. Ben oui. Mais oui, mais je ne comprends pas. Donc, on récapitule une dernière fois. Vous savez que c'est pour nos cerveaux, c'est pour notre bien. Le premier, on va attraper, tac, tac, mouliner en croix. On écarte, on ramène. Et ensuite, on pousse sur le côté, on pousse sur le côté. Allez, Françoise, on en a pour 3 minutes 16. Donc, accrochez-vous à votre chaise et c'est parti. Okay.
On y est. Buvons, petit peu à ta peau. J'aimerais bien retrouver quand même notre direct François. Je ne sais pas ce que tu en dis, mais je t'avouerai. Non, je ne capte carrément plus rien. Donc, tu sais, vu comme ça, ça y est, je vous ai récupéré. Bonjour Laurence. Allez, buvez encore un coup avant de rattaquer la petite dernière qui ne va pas être piquée des hannetons, n'est-ce pas? J'adore cette expression, piquée des hannetons, je trouve ça très drôle. Où est-ce que tu es, toi? Est-ce que c'est celle-là? C'est pas celle-là. C'est celle-là. Donc 2 minutes 55. Nous allons faire la célèbre bougie, vous vous rappelez? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va envoyer les jambes devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous allons par la suite faire le wave. Mais oui, c'est ça. Je cherche des trucs qu'on a fait depuis un moment. Donc, la vague d'un côté, sauf qu'on envoie le pied d'un côté et le pied de l'autre. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un mouvement. N'est-ce pas? Donc, 1 et 8 de chaque, on le fera deux fois quand même, malgré tous. Nous récapitulons ce qui vient de se passer ici et maintenant, hier et maintenant, ensemble et maintenant. Qui se rappelle, qui se rappelle, qui se rappelle? Ce n'est pas moi, si la bougie. Tac, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jambes devant, 2, 3, 4, on alterne, 6, 7, 8. Et pourquoi c'est toujours le troisième François? Je te jure, c'est en train de me faire péter un câble au cerveau. La vague. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier, nous avons dit. Ah oui. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. La vague. Donc, bougie, jambe devant, vague. Et tap, tap, boum, boum. C'est terrible. Allez, on y va. On va. 6, 5, et bougie. 1, 3, 4, 5, 6, 7, on marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thank you.
bien. Levez un coup pour cette dernière avant d'attaquer le moment de détente des chiens que nous allons faire ensemble. Hop. Oh, souffle. On profite pour faire redescendre un peu le cardio. Installez-vous dans votre chaise. Et ne luttez pas contre votre respiration, mais essayez d'inspirer et de souffler. Respirez par le nez et de souffler par la bouche. Donc, tranquillement, on relâche bien les épaules. Voilà. Et on laisse redescendre. Vous pouvez revoir un petit coup. Ça ne fait pas de mal. Ok. Très bien, très bien. Donc, on va pouvoir passer aux étirements. Lala. Soufflez tranquillement, le dos est toujours trop droit. Vous pouvez tendre votre bras si ça tire pas assez. Vous ne voulez pas que ça tire légèrement. On va pas jouer la couleur. Vous passez bien à souffler. Sur le côté, donc vous écartez un peu les jambes pour être stable sur vos jambes. On inspire, excusez-moi, je change là, mais je me reconnais carrément ma carte. Donc, j'inspire, je souffle, je vais chercher le côté et je tire vraiment comme si on me tirait le bras vers le haut. Hein. J'inspire, je souffle, je reviens. Et l'autre côté, j'inspire et je souffle, on tire, on tire, on tire. Et on souffle, pour revenir. On entrecroise les doigts, j'inspire, je souffle, je vais pousser vers l'avant et je vais faire dos rond, je rentre la tête. J'inspire, je souffle, je monte vers le ciel. Et je souffle pour relâcher.
tire, je tire. J'inspire et je relâche. Yes. Pour les jambes, on passe une jambe sous la chaise ou sur le côté si vous ne pouvez pas. Hop, je me mets sur la brouette derrière. C'est un peu un cavalier, c'est pas un chevalier, un cavalier. On appuie sur la pointe. On souffle bien. Et on souffle en relâche. De côté. Pour le suivant, j'écarte la jambe, je ramène le pied vers moi, je vais me pencher vers devant, vers l'avant François, vers l'avant, voilà, il tire bien celui-ci, eh ouais, hop, et on souffle tranquillement, on reste un petit peu, ok, on remonte, on souffle, l'autre côté, hop, et je me penche devant. On souffle bien. Ok. On remonte. Il nous en manque un petit. On écarte les cuisses. On va inspirer. Et quand vous allez souffler, vous allez pousser vers l'extérieur et vous redresser. On souffle, on souffle, on souffle. Et on relâche tranquillement. Et encore une fois, j'inspire et je souffle. Je souffle. Tu tends bien le dos, lui. Ouais. Et on relâche. On relâche tout. Et bravo pour cette séance de reprise. Bravo, Françoise. Bravo à toi. J'espère que tout le monde va bien. Parce que je n'ai pas la suite de vos commentaires. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous passerez une bonne journée. On se retrouve demain pour le Balance Ton Live à 17h30. Mercredi matin, de 8h à 9h comme aujourd'hui, pour le renforcement musculaire. Et vendredi matin pour le yoga. Et vendredi après-midi pour le vendredi après-midi à 17h pour le Balance Ton Live. On vous fait des gros bisous avec François, avec toute l'équipe. Gros bisous. Et on se dit à très vite. Et on part toujours en musique, bien sûr. Laure, tu as déjà oublié, n'est-ce pas? Voilà, super. Vous voyez que c'est Mamie Pétou qui est en train de réparer ma bêtise. On ne change pas une équipe qui gagne. Bonne journée. D'accord, je n'ai plus de souris. Là, il y a un souci là. Il y a un gros souci là.